Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes installés dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano à Madrid. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. On a hâte que ça commence parce que ça va être un vrai plaisir de suivre cette rencontre. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Et voilà donc la composition de cette équipe. Banini. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Ouais, la bonne passe dans la profondeur. Oui, la belle incursion là. Oh, la frappe. Et la frappe est contrée. Lautaro. Mayra Tatena Ramirez. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Eli Rasso. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. De Jong. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. La frappe de loin dans les gants, sans souci. Lautaro. Esta es una llamada para Miriam Forbes. Repetimos. Miriam Forbes. Eh non, ballon perdu. La espera en recepción. Ça sort en touche. Bon pressing, très bonne récupération. Ouais, la frappe, ça part bien. Corner et une opportunité de passer devant au score. Magnifique ce contre. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. L'arbitre là applique la règle de l'avantage, il y a faute mais il laisse jouer. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité.
Et ça, pour l'arbitre, ça vaut un carton jaune. Eh oui, c'est parfaitement normal. Bonne progression, balle au pied. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et situation dangereuse avec ce pressing. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh, le pénalty. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty pour cette faute. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute d'inattention qui peut coûter cher à toute l'équipe. Pour le premier but peut-être de cette rencontre. Et le pénalty est repoussé. Il repique vers l'axe. Théo Hernandez avec le ballon. Il prend sa chance. Sans difficulté pour la gardienne. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et ici l'occasion pour mener. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. Le temps additionnel, 2 minutes minimum encore à jouer. C'est la mi-temps ici de cette rencontre, donc au stade Alfredo Di Stefano. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Ça y est, c'est le début de la deuxième mi-temps ici au stade Alfredo Di Stefano. Mais quel mauvais tacle, c'est incroyable, c'est dangereux. Et l'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Oh, le carton rouge! Attention, parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Et ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Mais oui, mais je sais pas moi. Si tu ne cadres pas, comment tu veux marquer? Le football, c'est le jeu le plus simple du monde. Il suffit que la balle rentre dans la cage. Envie, décision, exécution. Pied, balle, cage, fusion, émotion, et on n'en parle plus. Corner, l'occasion peut-être de passer devant.
Première occasion depuis un moment. Corner. Le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Vers le point de pénalty. Nouvelle occasion avec ce corner. Attention à cette frappe. Eh oui, le bon réflexe. Allez, nouvelle chance avec ce nouveau corner. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure des idées. Le ballon passe très largement loin du but. Il dit bye bye à la cage. Attention à ne pas perdre ce ballon. De Jong. Bon, concernant Lautaro Martinez, on va être assez clair, hein, c'est pas encore ça. Pas... Oh, il y a danger là, attention! Et encore un bon arrêt pour conserver ce score de parité. Ça aurait pu être l'ouverture dès la boîte, mais on reste sur ce 0-0. Scott. Ouais, superbe défense. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oh, c'est contré! Ah, l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Et le contre est possible maintenant. Une possibilité là pour centrer. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Bien placé pour conclure peut-être. Et la parade exceptionnelle de Confini. De Jong. À la réception de Lautaro Martinez. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ramirez. À la réception, Lautaro Martinez. Frankie de Jong. Oui, joli réflexe. C'est un corner qui peut peut-être leur permettre de prendre l'avantage. Et un changement donc. Le corner. Et une intervention facile pour la gardienne. Panini. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé.
Dommage. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le pressing sur le porteur. Le ballon en touche. De Jong. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh, attention! Quelle intervention absolument décisive. L'occasion pour mener. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Le but du chaos est très proche, on joue maintenant les dernières minutes. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et donc c'est terminé avec l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Pas de vainqueur. Et donc on va avoir droit à la prolongation. Bon pressing, très bonne récupération. La frappe, ça part bien. Corner et une opportunité de passer devant au score. Ouais, c'est un pressing efficace. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute. Penalty est repoussé. Nouvelle occasion avec ce corner. Attention à cette frappe. Eh oui, le bon réflexe. Allez, nouvelle chance avec ce nouveau corner. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure décision. Le ballon passe très largement loin du but. Il dit bye bye à la... Oh, il y a danger là, attention! Et encore un bon arrêt pour conserver ce score de parité. Ça aurait pu être l'ouverture dès la boîte, mais on reste... Un petit ballon par-dessus, c'est bien donné. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match.
et le début de cette première période des prolongations. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Lautaro. Ballon pour Frankie de Jong. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Des solutions en attaque là. Elle choisit le centre. Assez bien défendu ça. Le danger maintenant est écarté. C'est un ballon de contre à jouer. Un match compliqué, mais les fans sont au rendez-vous. Un but maintenant leur suffirait. Plus que quelques minutes. Vamos! Un face-à-face à négocier. Cabezazo! Cette magnifique tête plongeante qui finit sa course dans les filets. Très beau but. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. L'arbitre siffle maintenant la mi-temps de cette prolongation à l'instant. Encore donc 15 minutes à jouer. Le dénouement avec le coup d'envoi de la seconde période de la prolongation. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Lautaro Martinez. Ah non, là, la balle qui est perdue. Ballon en profondeur, excellent timing à la réception. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Allez, pourquoi pas un tir? Oh oui, la frappe, et c'est le but! On revoit ce but tout au bout de la souffrance, à la toute fin de match, dans les prolongations. Maintenant, on peut dire que c'est le but de la victoire. Enfin, peut-être. Nouveau but encaissé, et pour leur coach, c'est un cauchemar. Moi, à sa place, je m'en vais. Je laisse tout tomber, je n'ai même plus envie de parler. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. De Jong. Et ça va sur Théo Hernandez.
Et le tir, ouais, superbe défense. Ballon vers la surface. Ouh, la frappe. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite. À aucun moment on s'imagine une frappe de si loin. Et en même temps, c'est cet effet de surprise qui est très efficace. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre et une bonne victoire de l'équipe locale. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Ouais, c'est un pressing efficace. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute. Oh, il y a danger là, attention! Et encore un bon arrêt pour conserver ce score de parité. Ça aurait pu être l'ouverture dès la boîte, mais on reste. Une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Un face-à-face à négocier. Cabezazo ! Cette magnifique tête plongeante qui finit sa course dans les filets. Très beau but. Allez, pourquoi pas un tir? Oh oui, la frappe. Et c'est le but! Ouh, la frappe! Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un... Face à face à négocier. Cabezazo ! Cette magnifique tête plongeante qui finit sa course dans les filets. Très beau but. Et pourquoi pas un tir? Oh oui, la frappe. Et c'est le but! La frappe.
Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite!